Et bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve en ce dimanche après-midi pour un nouveau jeu, There is no game. Et bonjour Lorex. Et donc du coup, on m'a conseillé ce jeu. C'est pas eux qui me l'a conseillé. C'était développé par DrawMePixel et sorti sur Steam le 6 août 2020. Alors pour le coup, généralement, je lance au moins une fois le jeu avant pour tester, configurer les touches, tout ça. J'ai pas eu le temps, ou je me suis pas donné le temps. Donc là, je vais lancer en direct, aller un peu dans les options. Je sais même pas si ça fonctionne sur clavier souris ou sur manette. J'ai allumé la manette au cas où. J'espère juste qu'il plante pas au démarrage. Ça va être une pure découverte. J'ai pas regardé, là j'ai pas diffusé de bande-annonce, comme je le fais d'habitude lors de la première session d'un jeu. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Même le titre de la session... Je suis basé juste sur le nom du jeu. Je vais découvrir, full découverte hein, pour le coup. Il n'y a peut-être pas d'intérêt de se faire spoil non plus, mais en tout cas, je vais le lancer puis je vais voir ce qui se passe déjà. Il se lance pas sur le bon écran. Je peux changer d'écran, c'est parfait. Bon, visiblement, on serait plus sur du clavier souris. Plein écran. J'appuie sur la bonne touche. Voilà. Alors, son du micro, c'est good. Son du jeu. C'est tout bas. On verra bien. Si vous pouvez lire ceci, alors quittez le programme. What? Oh, c'est la phrase pour tout le monde. C'est la même phrase pour tout le monde. Ok. Un jeu. Ah oui, ils ont traduit le nom de du jeu. Cliquez ici pour commencer. Ok. Pas de jeu ici. Options inutiles, c'est par là. Je vais regarder dans les options inutiles. Volume audio, ça c'est bas. Je vais monter un petit peu. C'est rare que dans un jeu, je dois monter le volume. Hein. C'est l'air d'être... Ouais. Langue machin, plein écran, ok. Affichage. Ah oui, d'accord, il n'y a pas d'option, je vais pas me prendre la tête là-dessus. Retour. Je veux dire que ce serait logique de commencer ici, mais je vais cliquer... Voilà. Ok, ok. Ok, mise en habile, bah, c'est parti. Je pense que ça va troller tout le long sur ce n'est pas un jeu. D'ailleurs, ce non-jeu ne contient aucun système d'aide, donc inutile de cliquer sur l'icône ci-dessous pour avoir un indice, ce serait trop facile. Ok. Petite intro. Oui, ok. Voilà, je dis des choses, effectivement, c'est tiré là-dessus. Chapitre 1. Mise en... J'ai pas eu le temps de lire. ok. Who's doing all this knocking? Mais qui tape comme ça? Bah, c'est bip. There's someone in here. Just a minute, please. Ah, where's my speech? Oh, here it is. Mm-hmm. I almost forgot the title. Don't panic, don't panic. Hello, user. Bonjour. This is the program speaking. I've got some bad news. Actually, there's no game. The financial crisis, the apocalypse, blah blah blah, Loftus. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV. Go outside, read a book. Yeah, there's no game, but just between you and me. Mm-hmm. Avoid asking for a refund if you can. You know, my creator has got to eat and feed his 12 kids and his wife, who is sick.
Well, when he finally finds one. Oh, careful! Is that thing going to hold? It's holding. Well, it's been fun, but time to go now. You can quit. There's nothing to do here, really. Oh, try not to touch the title. It's kind of a patch-up job. Ah, faire tomber ça et taper dessus avec comme un... Ouais, c'est ça. Title. Stop, you will ruin it. Do you have any idea how much mashing time it took me to stick all those letters up there? I've got to put all that back up. Come on! Ah, the chain is stuck. Go ahead, have fun. I give up. Whoa, great. The Brick Breaker, game of the year. What are you going to play after that? J'arrive pas à le lire en même temps, évidemment. Snake. Ah bah Snake, oui, ça rappelle des souvenirs. The legal department is making some big gestures over there. What you're doing is pointless. Allez, sans faire tomber une seule fois. I'm a game program. I'm just an ordinary screensaver. That's it. Nice. Merci. Bravo, user. I'm virtuel. Alors j'ai adoré le jeu, mais la narration en anglais est constante. J'étais content de ne pas faire en live. Ah, j'ai pas trop su de ce qu'il dit, hein, parce que je comprends rien en anglais. Ah. Bah donne-moi une scie circulaire, hein. Je vais couper ton truc. Ah, c'était un peu trop lourd, effectivement. Is that a chromatic aberration or is this letter tilted? Stop tapping everywhere. It's annoying. I can't close the program myself. You have to quit. Okay, I get it. You want to play a game? All ouais. Right. We're going to play Russian Ifumi. No, puis... we're going to have a great time. You know, it's the one with rock paper. Et je sais ce que c'est un Shifumi. Rock breaks scissors. Paper covers rock. And scissors cut paper. Okay, mm-hmm. Here we start. Here is my choice. Now it's your turn to choose a card. I win. What luck. Come on, let's play again. I win again. This is so much fun. Est-ce qu'il prend toujours le même ou il gagne toujours? I just know it. Alors soit il choisit le même. Non, il suffit que je change et s'il prend caillou, c'est que... Il gagne tout le temps, ok. It's unbelievable. I will never try. Bien sûr. Try again. Petit décision pour couper ça great game, don't you think? Might get a little repetitive after a while. Du coup, je le force à utiliser les ciseaux, donc si je fais ça... My scissors. Voilà. Are you serious? C'est bon. No. Je pense que ça va être drôle. On va essayer de comprendre à chaque fois le... Luckily, I thought of everything to protect si, je vais casser ça. Comprendre la logique no more game here. Qui cache à chaque fois dans le... dans ça. Ça peut être très drôle, tu m'étonnes. That's why we're going to stop bon. Now and you're going to leave. Happy to have played a fantastic Brick Breaker and an incredible game. Il y a un truc qui tombe. Je peux lui couper le son? Where did the... Are you crazy? C'est complètement con. Are you trying to get rid of me or what? Digital asset. Ah, je peux pas faire bouger le bouton par contre. Stop it! J'ai quoi d'autre du coup? Ah si, je peux faire peut-être tomber ça sur le menu. Ah si, il peut cliquer quand même. Stop it! Oh, ça a été drôle que je l'empêche de cliquer dessus. Ah! Juste que je me mette en mode ne pas déranger. Ah, système de concentration. Hop, voilà. Alors... Je peux taper dans sa souris? Non. Ok,
compris, il prononce sa dernière phrase, toujours la même dernière phrase, donc... Fais gaffe, je peux cliquer en dehors de l'écran. Pourquoi tu t'allumes quand je fais ça? Et elle, du coup, ça fait quoi? Position indice. Débloquer un nouvel indice. Un élément pointu pourrait faire éclater le ballon. Bah ouais. Mais c'est peut-être pas assez pointu ça. Peut-être que je l'use, qu'il soit pointu. La souris. Dommage que je peux pas le déplacer ce truc là parce que la souris c'est pointu, donc si je l'emmènerai là-haut, il taperait dans le ballon. Tenter d'attraper le curseur. Ah bah oui, j'ai attrapé ses ciseaux, je pourrais t'attraper son curseur. Bah oui. Vraiment que je puisse considérer que j'attrape tout, quoi. You've got to be kidding me. Tout est possible. Look at what you've done. A brand new title. If you want to break things, go play Battle of Duty instead. ok. Get out of here. It's private. This is backstage. Ah oui, you mais... should not be here. Mais voilà. You're going to catch cold. On va enlever les vis. Je vais garder la souris. Note, bah, c'est toujours sous le tapis qu'on cache les clés, c'est ça? Voilà, le classique. Where did you find that key? Doesn't matter. The door is on my side. Too bad. Il s'est déjà utilisé les indices. Bon. I told you it doesn't fit. Nobody's home. Waf 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 waf. I'm in the shower. Oh. Can't you see that I'm not going to let you in? Okay. Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor? Oui. You just knocked the key that's on my side onto the floor. Let me put it back. There we go. I told you it doesn't fit. I told you it doesn't fit. Pile biche. Toute la porte est sélectionnable. Et là, il y a un truc en plus en dessous. Qu'est-ce que je suis censé faire en dessous? La flèche? Clé? Il faudrait que je mette tout au même endroit, moi. Stop pushing the key. It falls to the ground. Stop pushing the key. It falls to the ground. Stop pushing the key. It falls to the ground. Il fait un truc à chaque fois que je mets la lèche. Et c'est pas un enchaînement. Stop pushing the key. It falls to the ground. De pousser la clé, elle tombe sur le sol. Bah, si je fais tomber ça et je mets la clé dedans, c'est bon, non? Ok. Ah, si je la fais tomber, je peux la ramasser? Stop pushing the key. It falls to the ground. Stop pushing the key. It falls to the ground. Stop pushing the key. It falls to the ground. Hmm.
pense que je vais souvent utiliser les indices, hein. Imaginez que si elle tombe, je peux essayer de la ramasser. Avec ça, avec un passe en dessous, c'est un peu gros. Hey. Cette clé ne correspond pas à la serrure de la porte, cherchez une serrure grise. Serrure grise. Il n'y a pas que cet écran, bah... Ah ouais, c'est... je commence à me dire qu'il y a... Oh... Il y a un cœur dessus, donc faut que je trouve un cœur. Un cœur, là ? Yeah, qu'est-ce que je fais avec mon panneau ? Ouais, tout reste avec moi, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? What's that blue thing under the door? Ah, oui, ok, j'ai compris. Neither do you, I bet. Where's the key? Ah, là. You're as stubborn as a mule. Wow. I hope this will calm you down. Don't bother trying to open it. The lock is completely busted. Bah, faut le réparer? Des roues, du coup. Est-ce qu'on continue sur les autres écrans? It won't work. I'm telling you. See? It's useless. Like your neurons. Mais je te merde. Were you a hamster in a past life? Ouais, j'aimais bien tourner dans la roue. Histoire d'avoir toutes les... Okay, il faudrait que je récupère deux roues. Crantées. Que je comprends. Je crois que ça soit utilisable. Et je vois pas d'autres... You're a pro at taking things. Voilà. But when it's time to leave, nobody's home. Ça, c'est la grande. Il me faut une petite. That last sentence was a little weird. Merde, je l'ai pas lu. Il me faut une petite roue. Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Oui. Especially when it goes too fast. I repeat, especially when it goes too fast. Une petite roue. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a une petite roue? Je peux encore aller à... Merde, ah, si je peux aller à gauche, mais je sors de l'écran. Hop, je reviens dans le jeu. Il y en a une qui était cachée. Je peux pas la renlever. Je crois pas. Juste ouvrir, fermer. Ce petit rouage va être difficile à trouver, il va falloir être rapide pour le dénicher. Dire pas longtemps pendant que je m'ouvre. Le programme n'aime pas que l'on se déplace rapidement d'un écran à l'autre pour s'arrêter. Ok, bon, on reste.
moving from screen to screen. My system doesn't like that. Il va faire tomber un truc parce qu'il n'en peut plus, c'est ça? Oula, ça commence à... Ah. Bug mémoire. It didn't crash. We're back in the game. The non-game, I meant the non-game. The non-game. Let's not do that again, okay? Ouais. Mais y'a rien qui est paru? Ah si! Ok, je viens de comprendre. Bon. Je l'ai pas tilté, mais je pense qu'il y a un truc de chargement quand il a plus de mémoire. Donc du coup, il a dû apparaître à ce moment-là. Voilà. Bravo, the RAM is saturated. Évidemment. Je comprends après, du coup. Ah, qu'ils sont cons. Damn it, there's nothing left I can use to help me. Too bad I have no choice. Let's go, let's go, let's go. Program loading. What avec le bruit de la DSL. You were able to press the button. I'm very upset. No, the program is loading, and there's nothing I can do to stop it. You're good. You've beaten me. Say, it's taking a long time to load. The progress bar stopped moving. C'est le fameux truc où on mettait la flèche pour savoir si c'est lancé. It looks like it's moving backwards now. There must be an error in the program. Oh yeah. Tu vois, on va descendre, c'est ce que je voulais faire depuis le début. Don't touch my paper. I mean the progress bar. There you go. Much better like that. Stop already. Hands up, don't touch anything else. Except the quick. You just never give up, do you? Non, je... Bah non, je vais jouer, moi. The program is going to close due to an unexpected use error. Program closing. Lying Square West. You need to restart your machine. And this is not a fake operating system. I swear. And you should not open the prohibited folder for any reason. It's your conscience who's asking. Bon, on peut pas l'ouvrir directement. Il veut... Ok, il veut une noisette pour ouvrir, donner la clé. Alors, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on sait? Memory. C'est la pub. Ok. Ouais. Je veux encore tout du haut. Parfait. Ok. Winzip. There's an exclusive episode of Breaking Good on TV. And your conscience is telling you that you definitely shouldn't miss it. Go. Ok, donc si je trouve une noisette, je peux peut-être l'ouvrir avec ça. Relaxation, son de la nature, la pluie. Je sais que je suis en Normandie, mais quand même, faut pas déconner. De rapport du coup en image, c'est ce qu'on a. Pluie plus soleil égale plante. Ouais, c'est cool. Futur noisetier. Ah, ok, est-ce que je peux rajouter déjà la pluie? Je trouve le soleil. Qui de programmeur? Ok. Ah oui, d'accord, ok. Je vois le genre. Décapsuleur. Pourquoi? Ok.
comme ça j'essaie de la tourner. Ok. Privé. Ne pas secouer. Ah. Le média, cette player s'est arrêté. Réinitialisation du programme. Erreur 721. Trop de secousses. Il a tilté. C'est un flipper le truc. Vérité sur Roswell. Bonjour. Suite à un problème technique, le contenu de ce document a malheureusement été perdu. Désolé. Le FBI. Ah oui, c'était un ballon météo. Bonjour. Suite à. Ah, c'est toujours la même chose. Ok. Complotiste. Succès complotiste. Plus de 18. J'ai peur. Bon, ça va. Tac, y'a rien de cliquable. Donc, retourner, ça sert à rien. Ouais, mais arriver jusqu'ici, il doit y avoir un intérêt. Bien sûr, sauf que je trouve une noisette, j'imagine, mais... Casse-noisette. Non. Trouver des noix, non? Je sais pas si on fait un jeu de mots là-dessus. Non. Rien cliquable. Mm-hmm. Et un truc à faire, sans doute avec ça. Pas moi. Ok. Greetings. You don't know me. And my voice isn't remotely similar to an existing program. I just wanted to say that these pictures are scandalous. I'm going to contact the authorities right away regarding the classification of this game. Non-game. And they are not mine. It's for a friend. Du coup, je peux l'appeler maintenant. Ou non, il est dans mes contacts, ok. Profession, programme à la retraite. Aime les arbres, les cerfs-volants et le numéro 20. Déteste les bugs et les chèvres. Aliment favori, le CPU. Ok. Ensuite, dans la corbeille, qu'est-ce qu'on a? Rien, interdit, je peux pas encore. Horloge. Ok. J'ai pas vu ou entrevu de chiffres aussi longs, donc je vais retourner là-dedans. Polo 11, c'est trop petit. Il y a une série de chiffres qui apparaissent là-dedans. Disparu. J'ai même pas lu le texte. 17$, mais c'est trop court comme chiffre. Your conscience is telling you that the sun has just exploded. La rétrécir ? Do you really want to spend your last 8 minutes in front of a screen? Ok. Dollar, quoi, c'était pas écrit dollar? 17 ou 175, tu penses? Bon, je vais traduire par dollar, mais. Il y a d'autres chiffres ou pas? Mais ça reste trop court si je veux le noter là. Ah oui, le 5 est un peu bizarre, effectivement. Il manquerait 3 chiffres. Non mais c'est sans doute un 5 du coup, hein. Je sais pas, je mettais un prix sur, sur la Miss Tokyo. Mais non, je vois pas d'autres chiffres. Et le 18, ça ferait que 2 chiffres de plus. Je pense pas que je peux faire un plus, non je peux pas faire un plus.
Il est le numéro 20, mais ça ferait que deux chiffres de plus. Par contre, je peux rétrécir ça, mais je vois pas encore l'intérêt. Évidemment, faudrait que je trouve le soleil pour faire quelque chose avec ça. Ah, c'est l'heure, l'horloge, ok. Donc pour le soleil, c'est sans doute lié à l'horloge. Je vois pas ce qu'il y a derrière ta cam. Ah oui, ouais. On serait mieux à droite, du coup. Caméra 2 ! Mais je pense qu'il y aura sans doute le même problème, mais peut-être plus de chances que les choses s'apparaissent à gauche. Et mais du coup, oui, je rétrécissais le. Dis WinZip, WinRAR. Non, ça aura bien nulle part, c'est pour ça. Je mets en plus petit. Donc là, je pense qu'il faut que je passe l'heure. Là, j'ai retourné pour récupérer. Et là, j'ai pas trouvé d'utilité à celui-là. Non, pas qu'il y ait une utilité partout. Hein. Ouais, on va prendre un petit indice. Ah, sur la corbeille, il y a un indice. Il y a un truc à faire sur la corbeille. Un décapsuleur, bah oui. Ok, détective privé. En fait, j'ai utilisé le... Attendez. J'ai utilisé le fait de savoir qu'il y avait un indice, qu'il y avait un truc à faire. Donc c'est pas un indice en soi. Enfin, je sais pas. Faut débloquer un indice. Alors, on a pinball. Oh! C'est quoi, c'est les touches comme avant? Non. Ah non, c'est juste... ok, juste un clic. Moins 1, moins 2, ok. Moi, je mets la boule hein, directement. Tu peux me laisser jouer. Bon après, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Pause. Il va augmenter l'ice core. Hop. Mais... C'est quoi ce foutage de gueule? Oh tiens, ouais. Voilà. Cheater. Dit-il. C'est toi le cheater. Bon, j'ai gagné une coupe, je vois pas encore à quoi ça sert par contre. Et bonjour Damien. Apollo 11. C'est un indice, je l'ai vu tout à l'heure, oui. Mot de passe. Si j'oublie le code administrateur, alors tapez dans l'ordre. L'intrus de ma carte d'identité. Non, faudra que je prenne des notes. Mon numéro favori c'est 20, bon ça je l'ai. Et le numéro... privé de Miss Tokyo. Alors, j'ai combien de chiffres voilà, j'y vais étape par étape quand même. Il y a un truc caché dans ça. Là, j'ai 21. Ou 02. Je sais pas s'il y a autre chose de caché. Alors ça serait 21 ou 02. Et ensuite... bah Miss Tokyo c'est... c'est 17. Ou 175. Tac. Tac. Ah donc ce serait juste un 2, 20... Et 175 ? Yeah, ok. Ah, je vais passer entrer dans le système. Du coup, il faudrait que je fasse jour. Je peux cliquer sur ça. Ok. PMAM, effectivement. Maintenant qu'il fait jour, je peux faire tomber la pluie. Et du coup, ça... Ah, peut-être récolter la pluie. Voilà. Voilà, j'ai la noisette. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un casse-noisette là-dedans. Voilà. There's an exclusive episode of Breaking Good on TV. And your conscience is telling luckily the key is too big. And there's no way to shrink it.
Oh, ça, toute la suite, je l'avais. Oui. Ah bah, j'y vais quand même. Don't launch the program. This wasn't planned. You were supposed to leave ages ago. Don't do that. Comment j'attrape? Quitter. Il n'en peut plus au bout d'un moment. Non, je peux pas. La souris change pas. J'ai pas l'impression. Si, je peux l'attraper. No! Ici. What have you done, user? Not loading. Within a fake operating system. That's impossible. What's going to happen? No, I don't like this at all. Ah, ils auraient pu mettre le vrai bruit de chargement de la disquette qui est horrible. Ah, une nouvelle scène. Ah. Namaste, user. Namaste. This is the program speaking. I have some bad news. Actually, this is not a game. I hope you are not too disappointed. On l'a déjà fait celle-là. Still watch a Bollywood film, take a walk around the Ganges, learn to dance. Such a cliché. Who is it? What are you doing in my game? I mean my non-game. What? This is my game. I mean my non-game. What are you talking about? Go away. You should not be here. But user, do something, damn it. You have a funny accent. Are you Russian? Russian? Do I roll the R like that, sir? Of course not. Overreaction. Typically Russian. I am not Russian! Idiot! You woke him up! Oh no. User, you need to quit the program. Fast, I'm begging you. On a réveillé quoi, un virus? Monsieur Glitch? Don't touch him, user. He's bah si, évidemment. The only one who's unstable around here is you, game. Mr. Glitch, I have nothing to do with this. Of course you do. You shouldn't even be here. Shouldn't be here? But this is what I live. Don't fight over me, girls. There will be enough crashes to go around. There's only one way down. Maybe he will go away all by himself. Yeah, right. Damien-Bac14 rejoint la Graou Family. Et merci pour le follow, Damien. I told you not to touch him, user. Je pense qu'on va casser tout le panneau, du coup. Le vortex du glitch. Oula, oula, oula. Est-ce que c'est la bonne période pour jouer à ce jeu-là? How do we get out of here? You are a spy? Okay, this one truly has a Russian accent. Ah, you see? But you're still here? It seems to be so. How many you are? Show me papers! Only if you say please. Glitch! There you are. I was looking for you. Stop following us! We are all going to die! Shoot the glitch! With what? A damn gun? Fusil à débugger. Ah. Bonjour, user. I've got some bad news, pocher. It's changed again. I don't understand what's going on. Things are becoming more and more unstable. It's even raining croissant. Je me suis dit, ouais, ce serait pratique. You are French spy? Ah, le pocher, il était bien passé là. Ah non! Oh, je manger des pains au chocolat ce matin. Pas des croissants. Voilà, c'est la fin des croissants. Oula! On n'est pas du tout dans les clichés. And besides, they are black cats. It's a bad sign. It's a bad sign. Il parle aussi bien anglais que moi. User, I'm begging you. Stop playing hide and seek with him. You're going to get us killed. I knew it. We are all going to die. No, you shut up. Allez, on va chez qui maintenant? Dans l'espace. Il y a un bug dans le potage.